Jésus, vive le sang de Jésus. Toute la gloire est à Dieu, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Vive le sang de Jésus, vive le sang de Jésus. Alléluia, béni soit l'Éternel. Merci Jésus, merci Jésus, merci Seigneur. Alléluia, à la haut bon Seigneur, à la haut bon Jésus, à la haut bon Seigneur. Alléluia, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Alléluia, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia, merci Jésus, vive le sang de 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 Jésus. Portes, élevez-vous linteaux, élevez-vous portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire, l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu Jésus. Toute la gloire est à Dieu, la louange est à Dieu. Merci Jésus, alléluia, merci Saint-Esprit. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la louange, est digne de recevoir la gloire, est digne de recevoir l'honneur. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à notre Dieu le Père, gloire à notre Dieu le Fils, gloire à notre Dieu le Saint-Esprit de Dieu. Bienvenue Saint-Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le nom du Seigneur pour son amour, sa grâce et ses bienfaits envers nous. Nous rendons grâce à notre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour son amour envers nous. De même que David dit, comment rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi? Bienvenue sur notre plateforme, l'adoration. Au pied du maître, alléluia, gloire à Jésus, welcome to our platform worship at the master's feet, un moment passé dans sa présence, hein. De même que la parole de Dieu dit, mieux vaut un jour dans ses parvis que mille ailleurs, alléluia, et là où vous êtes encore, nous vous saluons dans le nom de Jésus, c'est la famille d'Auvilliers, donc nous sommes ensemble pour adorer le Seigneur ensemble, la sœur Nicole, le frère Fritz, la sœur Antoinette, pasteur Roman Fleurville depuis d'Haïti, la sœur Isabelle. Donc, nous sommes ici présents ensemble pour adorer le Seigneur ensemble. Alléluia, dans notre maison et là où vous êtes dans votre maison, au travail, quel que soit l'endroit, nous vous saluons dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, nous allons chanter ensemble les cantiques que nous trouvons dans 139, chant d'espérance français, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Nous allons chanter, prier. Et la méditation du jour par pasteur Roman Fleurville. Donc, bienvenue encore une fois. Vous pouvez partager la vidéo ensemble. Et on va adorer le Seigneur. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Welcome, welcome, welcome. Welcome to worship at the master's feet. De même que Marie, alléluia, restait dans sa présence au pied du maître pour adorer le Seigneur ensemble. Donc nous aussi, nous allons rester au pied du maître pour adorer. Quand on reste au pied de Jésus-Christ, alléluia, il nous révèle sa parole, il nous révèle ses cantiques, des cantiques pour l'adorer. Alléluia, il nous donne des révélations. Car il dit dans le psaume 119, la révélation de sa parole est claire. Donc, quand Dieu révèle, alléluia, sa parole, gloire à Jésus, sa parole court avec vitesse. Et elle est guérie au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Entre tes mains, j'abandonne.
Tes mains, j'abandonne
divine, par ta divine, le flamme tout, ma soif détruit en moi. Oui, pour tout, Seigneur. Oui, pour tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ta belle bonté. Oh, I surrender all.
storm. Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way. Like a washing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a washing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Fais ça ouvrir, nomme-moi. Fais ça ouvrir, nomme-moi. Fais ça ouvrir, fais ça ouvrir. Nomme-moi. Lord, have your way. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux en moi. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux en moi. Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux en moi. Cet esprit, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux en moi. Ô Sauveur, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux en moi. Nous ne sommes rien sans toi, Seigneur, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux en moi. Avec toi, nous serons plus forts. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux en nous. En nous. Nous avons besoin de toi. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux en nous. Saint-Esprit, nous avons soif de toi. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. En nous, nous sommes assoiffés de toi. Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. En nous, on cherche cet esprit, nous implorons ton nom. Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. En nous, nous avons soif de toi. Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Saint-Esprit, viens, viens, viens. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux en nous. Cher Saint-Esprit, nous sommes assoiffés. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux en nous. Oh Lord, have your way. Lord, have your way. Lord, have your way. Your way, Lord, have your way, Lord, have your way in me. Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux en moi, cher Seigneur.
fais ce que tu veux, fais ce que tu veux en moi. Demandez au Seigneur de faire ce qu'il veut en vous. Tu veux, fais ce que tu veux en nous. Oh cher Seigneur, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux en moi. Like a washing wind, stir within my soul. Lord, have your way, Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way, Lord, have your way. Like a washing wind, Jesus breathe within. Lord, have your way, Lord, have your way in me. Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux en moi. Fais ça où voulez. Fais ça où voulez, fais ça où voulez, non moins. Quand je m'ouvre, même là, ouais, pas plus. Amène-moi, quoi faire? Amen.
Il est capable d'agir, il est là pour le délivrer, il est là pour le restaurer, il est là pour le changer, il est là pour le bailler la paix, oh, il est là pour le bailler la joie, il est là pour le guérir, oh, quel que soit pour toi, encore une fois, mettons ensemble avec nous, connecte-toi avec nous, nous parlons devant le Seigneur des Seigneurs, il est digne de louange, on va remercier notre Dieu, we're gonna thank God for our life, for our family's life. Oh, we're going to thank God for each of us. Hallelujah, wherever you are. Say thank you, Jesus, for my life. Oh, même Jean. Oh, Jérémie dit dans Lamentation 3. Quand je pense à l'absinthe et à la misère, il y a une chose. Il y a une chose qui me donne de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que sa fidélité est grande. Oui, si l'Éternel n'était pas notre secours, notre âme serait bien vite dans la demeure du silence. Si bon Dieu pas là, alléluia, qui côté nous tapier? Si l'Éternel pas dit un mot, si l'Éternel pas protéger nous, il dit celui qui me garde ne sommeillera point.
voici, il ne sommeille, il ne dort, celui qui garde Israël. Bon Dieu, nous pas jamais dormi, li pas jamais kabicha pour lui veiller sur la vie nous. Oh gloire à Jésus. Merci Seigneur Dieu. Oh vive la fidélité de Dieu, vive le sang de Jésus. Oh Seigneur, tu es digne de recevoir la louange, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne de recevoir l'honneur, tu es digne de recevoir nos acclamations. Nul n'est comme toi Seigneur, nul n'est comparable à toi Jésus. Oh Seigneur Dieu, dis-tu Seigneur Dieu, dis-tu Seigneur Dieu, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la louange, est digne de recevoir la gloire, non pas à nous Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, nous donnons gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Oh, merci Seigneur Dieu pour la vie. Merci Seigneur Dieu pour ta protection. Tu nous as toujours protégés. Tu nous as toujours gardés à l'ombre de tes ailes. Les fils de l'homme cherchent un refuge. Tu as été pour nous, Seigneur, un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Nous t'élevons, Seigneur Dieu, en ce moment. Nous t'exaltons. Notre famille te louons, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur Dieu, tu as fait tant de choses pour nous. Tu as fait beaucoup de choses pour notre famille. Tu as fait beaucoup de choses, Seigneur Dieu, pour chaque personne, oh, ici présent, dans leur maison, Seigneur Dieu. Tu connais leur nom, Seigneur Dieu. Seigneur, tu as fait pour nous de grandes choses. Si nous respirons ce matin, en ce moment, que tous ceux qui respirent, loue l'Éternel. Si nous avons respiré dans le moment ça, Seigneur Dieu, c'est grâce à vous-même. Nous n'avons pas d'oxygène dans nous, Seigneur Dieu. Oh Éternel, c'est pas une machine qui a fait de nous respirer. Alléluia. Mais n'a pas respiré. Oh l'Éternel des armées, sous les paroles là, Seigneur Dieu. Oh l'Esprit du Seigneur m'a créé et son souffle me ranime. Oh merci Seigneur Dieu. Merci pour le souffle de vie. Oh béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Jésus. Oh qu'est-ce que l'homme Seigneur pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu nous as créé, Seigneur, peu inférieur à toi. Oh, merci Jésus-Christ de ce que tu nous as créé par ton image et ta ressemblance. Seigneur, merci. Merci, Seigneur Dieu, de ce que nous sommes une créature si merveilleuse à tes yeux. Oh, merci, Seigneur Dieu, de ce que tu nous as tant aimé. Tu as donné ton unique Fils à notre place. Oh, Jésus, merci pour ton amour infini. Tu nous as prouvé cet amour, Seigneur, lorsque nous étions encore des pécheurs. Tu es mort pour nous, Jésus. Merci, Jésus, pour la vie. Tu nous as tellement aimés. Tu nous as donné le Saint-Esprit comme notre ami, notre conseiller, notre compagnon. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu es toujours là avec nous, dans notre faiblesse, dans notre tristesse, dans nos moments de trouble. Tu nous as révélé la parole de Dieu qui nous donne la force. Tu nous as créé, tu nous as donné cette parole à celui qui est ferme dans ses sentiments. Tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Oui, Seigneur Dieu, nous confions en toi, parce que Seigneur Dieu, tu es la source de la vie. Oh, tu as les paroles de la vie. Oh, là, les paroles qui donnent la paix, les paroles qui guérissent, les paroles qui consolent, les paroles qui sauvent, les paroles qui restaurent. Oh, merci Jésus-Christ pour l'évangile. Oh, Seigneur, si ce n'est pas l'évangile, si ce n'est pas sauver nous, merci pour le salut. Oh, merci Seigneur Dieu. Oh, béni sois-tu Seigneur Dieu. Oh, Seigneur, nous t'exaltons en ce lieu. Nous t'exaltons en ce lieu. Ô Saint-Esprit, viens régner parmi nous. Viens régner au milieu de nous. Viens régner, Seigneur Dieu, dans notre vie. Viens régner, Saint-Esprit, dans la vie de chaque personne en ce moment qui nous écoute, qui nous regarde. Viens régner. Sois libre au milieu de nous. Saint-Esprit, nous t'invitons. Merci, Seigneur. Say
Lift up your hands and thank God. Alléluia. Levez vos mains et remerciez le Seigneur. Alléluia. Notre Seigneur est digne de louange. Il est digne de sainteté. Il est digne d'adoration. Alléluia. Acclamez le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est digne de recevoir la louange. Il est digne de recevoir la gloire. Alléluia. Portes élevées, volets hauts. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Poussez vers l'éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, vous tous, habitants de la terre, servez l'éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, alléluia, et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Célébrez l'éternel, bénissez son nom. Célébrez l'éternel, bénissez son nom, car il a fait pour nous de grandes chose. Célébrez l'éternel, bénissez son nom, car il a manifesté sa force. Alléluia. Ta droite, ô éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô éternel, a écrasé l'ennemi. Célébrez l'éternel, bénissez son nom, car l'éternel est bon. Alléluia. Il est le roi des rois. Il est au-dessus de tout nom. Devant son nom, tout genou fléchisse. Devant son nom, maladie fléchit. Devant son nom, alléluia, les démons courent. Devant nom, Jésus, pas gagner qu'à camper. Devant son nom, tout genou fléchisse. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Oh, élevez le nom de Jésus en ce lieu. Élevez le nom de Jésus, mes bien-aimés. Notre Seigneur est grand. Il est tout puissant. Il est puissant par sa force. Alléluia. Oh, son intelligence n'a point de limite. Alléluia. Levez mes mains. Alléluia. Exaltez, bon Dieu. Levez mes mains. Exaltez, bon Dieu. Oh, levez-vous. Levez-vous.
soit continué à faire, Seigneur. C'est pour nous bénir, c'est pour nous glorifier. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, vive le sang de Jésus. La vie nous a bénis, nettoyez nous, papa, sanctifiez-nous, Seigneur. Nous allons entrer dans la présence, sanctifiez-nous, papa, préparez à faire, préparez à faire, papa. Bienvenue, le Saint-Esprit, nous allons entrer dans la chaîne, papa. Glorifiez que nous, Seigneur, glorifiez dans le nom de Dieu, glorifiez dans le nom de Seigneur, glorifiez dans le nom de Dieu, alléluia. Alléluia, levez-moi devant majesté. Seigneur,
glorifier, glorifier. Où ça où y est papa? Glorifier. Où ça où nous pas tap jam ka fini, nous pas tap jam ka fini remercier bon Dieu pour ça li fait, nous pas tap jam ka fini remercier le Seigneur pour toute merveille que li fait. Même Jean chandi ça pour bay l'Éternel pour tout bienfait li envers. David campé dans le psaume 116 verset 12 li dit: comment rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi? Qui ça me cabaille? Qui ça me offre? Qui ça me offre à bon Dieu pour tout ça qu'il fait dans la vie? La Bible dit dans le psaume 24: à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Ça veut dire pas grand rien qu'à offrir bon Dieu. Tout ça qu'on t'a offert, il appartient à bon Dieu déjà. Mais matin, ça, l'après-midi, ça, quel que soit côté. Nous offrons tout nous-mêmes, tout cœur nous. Si bon bagaille, bon Dieu a demandé nous après-midi, ça, c'est cœur nous. Ça fait dire dans Proverbe 3, mon fils, donne-moi ton cœur. C'est cœur nous. Alléluia, bon Dieu a demandé nous après-midi, ça. L'a demandé nous offrir tout nous-mêmes. Il dit dans Romains 12, offrir corps comme un sacrifice vivant, un sacrifice sain et agréable à l'Éternel. Alléluia, nous pas qu'à offrir rien, l'argent, il y a l'argent déjà. Il dit dans AG2, l'argent clos, c'est pour bon Dieu lié. Alléluia, pas rien qu'à offrir l'Éternel. Oh, pour tout ça qu'il fait, pour oxygène, pour respirer. Des monde qui t'a remé, pour t'a respiré, yo pas capable, yo senti souffle, yo coûte. Malgré avec oxygène dans nos yo, yo style pas qu'à respirer. Mais bien aimé dans le sac, qui ça nous qu'à offrir l'Éternel? Pour tout ça que le fait. Oh, il y a des gens qui ont des problèmes pour moi.
voie respiratoire yo pas bon. Alléluia. Voie respiratoire yo pas bon. Yo pas qu'à respirer. Mais ou même moi-même avec on a respiré. Nous dit Seigneur merci. Amen. Oh, est-ce qu'on pas t'a dit bon Dieu merci dans moment ça mes bien-aimés. Oh, l'Éternel dit mon fils, donne-moi ton cœur. Bon cœur après-midi ça. Pour même qui gon cœur brisé, l'Éternel dit bon cœur brisé à m'apprendre pour vous. On nous baille bon Dieu la vie nous toutes nous-mêmes. Nous lagué nous bali. Sans manquer rien. Ça fait d'app chanter oui prends tout Seigneur. Entre tes mains j'abandonne. Oh nous lagué nous net aller dans main d'Éternel. C'est lui même seul qui est capable de nous. Sous la guerre tout ou même dans mes Jésus. Ou va gagner la vie qui pas jamais fini. Ou va gagner la paix, ou va gagner la joie. Oh gloire à Jésus. Si ou la guerre ou net dans mes Christ. Ou va gagner la vie qui pas jamais fini. La vie éternelle que bon Dieu a offri ou n'a pas fou dans le ça la vie de Jésus. Il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La vie de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Oh gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Oh merci Saint-Esprit. Oh vive la fidélité de Dieu. Vive le sang de Jésus. 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 Oh, levez mon cri, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, vive le sang de Jésus, le sang de Jésus force, le sang de Jésus guérison, le sang de Jésus liberté, le sang de Jésus restauration, le sang de Jésus parler pour moi, le sang de Jésus bataille pour moi, le sang de Jésus agit pour moi. Alléluia, invoquez le sang de Jésus, sans ça qui parlait plus que sang d'Abel, sans ça qui est plus sens, sans ça qui guérit, car il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Invoquons le sang de Jésus. Le sang de Jésus couvrit-nous. Le sang de Jésus guérit-nous. Le sang de Jésus restaure-nous. Le sang de Jésus libère-nous. Au nom de Jésus, criez le sang de Jésus. La côté où il est appliqué sans Jésus sur la vie, sans Jésus gain protection, sans Jésus gain guérison, sans Jésus gain liberté, sans Jésus gain restauration. Le sang de Jésus, le sang de Jésus a gagné camper devant sang, parce que Jésus, Dieu t'a dit, oh peuple Israël, a passé sang sur les portes, les anges de la mort a passé, il n'a pas entré la caillou. Appliquez sans Jésus sur la vie, appliquez sans Jésus sur petit tout, appliquez sans Jésus, alléluia, sur tout ça pour posséder le
sang de Jésus pour protection. Le sang de Jésus protection. Que tout ange non mort était loin. Que tout ange maladie était loin. Tout démon maladie était loin. Tout ange non mort. Oh, alléluia. Était loin la vie nous. Le sang de Jésus protection. Nous dressons mirer la vie nous avec le sang de Jésus. Oh, we plead the blood of Jesus over our life. We plead the blood of Jesus over our life right now. In the name of Jesus. The blood of Jesus speak for us. The blood of Jesus fight for us. In the name of Jesus. The blood of Jesus speak for us. Oh no, in Jesus' name. The blood of Jesus cover us. In the name of Jesus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus, que sang Jésus couvre vous, quel que soit côtoyé. Que sang de Jésus parle pour vous, quel que soit côtoyé. Que sang de Jésus agit pour vous, quel que soit côtoyé. Alléluia, déclarer le sang de Jésus couvre la caille, le sang de Jésus couvre la famille, le sang de Jésus couvre le travail, le sang de Jésus couvre la machine, le sang de Jésus couvre la petite, le sang de Jésus, alléluia, invoquer le sang de Jésus, le sang de Jésus parler, le sang de Jésus paraît, le sang de Jésus agit, le sang de Jésus, nous invoquons le nom de Jésus, nous invoquons le nom de Jésus, nous invoquons le sang de Jésus, nous plaidons le sang de Jésus, we plead the blood. The blood, the blood, the blood of Jesus. The blood of Jesus speak for us. Hallelujah. Le mosaka laba. The blood, the blood, the blood, the blood, the blood, the blood. We plead the blood of Jesus. Nous plaidons le sang de Jésus. Nous plaidons le sang de Jésus. Nous plaidons le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. The blood, the blood, the blood, the blood. The blood of Jesus. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus guérison. Le sang de Jésus protection. Le sang de Jésus liberté, le sang de Jésus restauration, le sang de Jésus la paix, le sang de Jésus la joie. Oh alléluia, quel que soit que tu es malade, alléluia, déclare le sang de Jésus guérison, le sang de Jésus guérit, guérit pays nous, guérit le monde, le sang de Jésus guérit nous, le sang de Jésus guérit nous, le sang de Jésus séché toute germe de maladie, le sang de Jésus séché toute germe de maladie, le sang de Jésus séché toute germe de maladie, le sang de Jésus brûlé tout esprit démoniaque, le sang de Jésus grillé toute maladie, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus lave-nous de tout péché, le sang de Jésus lave-nous de tout mal, le sang de Jésus, le sang, alléluia, appliquez ça, appliquez ça, appliquez ça, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus sous la vie, 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 le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus sous la vie, ce Katuska, le sang de Jésus sous la haine bellement, le sang de Jésus couvrit Herbie Taven, le sang de Jésus couvrit Pasteur Oban Fleurville, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus couvrit Saint Nicole, le sang de Jésus couvrit Edward Genelus, le sang de Jésus couvrit Lundi, le sang de Jésus couvrit Fritz Nel d'Ovillier, le sang de Jésus couvrit Isabelle, le sang de Jésus couvrit la famille d'Ovillier, le sang de Jésus couvrit Pasteur Gadel Paul, le sang de Jésus couvrit Sœur Joséphine, le sang de Jésus, appliquez ça, le sang de Jésus. Paraître pour nous, le sang de Jésus paraît pour nous, le sang de Jésus paraît pour nous, le sang de Jésus paraît pour nous, le sang de Jésus, le sang de Jésus dans le sable, le sang de Jésus dans le sable, le sang de Jésus dans toute atmosphère, le sang de Jésus, 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 appliquez le sang de Jésus, le sang de Jésus couvrime, le sang de Jésus guérime, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Côté l'aller, l'aller, côté l'arriver, l'arriver. Le sang de Jésus entre dans Chantal. Le sang de Jésus entre en Haïti. Le sang de Jésus entre qu'à Moïse. Le sang de Jésus entre qu'à Fleurville, entre dans Saint-Marc. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus entre, entre, entre. Au Namasoko là-bas. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus, quel que soit côté où il est. Appliquez ça. Appliquez le sang de Jésus. Apply the blood of Jesus over your life right now. Wherever you are, apply the blood of Jesus. Quel que soit côté où il est.
quel que soit l'endroit où vous êtes en ce moment, appliquez le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Seigneur, nous appliquons ton sang, Jésus, en ton sang qui nous a lavé, qui nous a guéri. Nous appliquons le sang de Jésus. Nous appliquons ton sang, Jésus-Christ, sur notre vie, sur notre famille, sur notre ministère en ce lieu. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus combat nos batailles. Le sang de Jésus combat nos batailles. Alléluia, the blood of Jesus fight our battles in the name of Jesus. The blood of Jesus fight our battles in the name of Jesus. Le sang de Jésus bataille pour nous. Le sang de Jésus bataille pour nous. Le sang de Jésus combat nos batailles. Le sang de Jésus combat nos batailles. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Rentrez côté ne pas qu'à rentrer. Le sang de Jésus. Allez côté ne pas qu'à aller. Le sang de Jésus. Parlez côté ne pas qu'à parler. Le sang de Jésus. Agit côté ne pas qu'à agir. Le sang de Jésus. Paraît pour nous côté absité dans nous. Quelque chose qu'a fait là. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Appliquez le sang. Amen. Appliquez le sang de Jésus. Le sang de Jésus couvre vous de l'étrécie. Le sang de Jésus couvre Kylie et Iten. Le sang de Jésus couvre Glory Chris. Le sang de Jésus couvre Max. Le sang de Jésus couvre Isabelle. Le sang de Jésus couvre Mona. Le sang de Jésus couvre Nemen. Le sang de Jésus couvre Margaret, mon fils. Le sang de Jésus couvre Margaret, Jean-Jean. Le sang de Jésus. Le sang. Amen. Le sang, le sang, le sang. The blood, the blood, the blood, the blood, the blood. The blood of Jesus speak for me. The blood of Jesus speak for me. The blood of Jesus speak for me. Le sang de Jésus parle pour moi. Le sang de Jésus parle en ma faveur. Le sang de Jésus parle en ma faveur. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus couvre chaque monde dans le sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Appliquez ce sang. Le nom au sac à là-bas. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus couvre chaque monde. Quel que soit côtoyé. Jésus connaît donc que sang Jésus paraît pour vous. Le sang de Jésus rentre à l'hôpital guéri maladie. Monde qui a coronavirus. Le sang de Jésus rentre séché. Oh, entre l'hôpital, c'est toute maladie, déraciner toute chaîne maladie. Le sang de Jésus, déraciner coronavirus. Le sang de Jésus, pour qui pas qu'à respirer, qui gagne un gros mucus dans poumon. Le sang de Jésus, sécher tout mucus, guérison. Pour qui pas qu'à respirer, qui gagne un problème poumon. Le sang de Jésus, guérison. Le sang de Jésus, a touché Ronald Cotelia. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus agit. Le sang de Jésus agit. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. The blood, the blood, the blood, the blood. We plead the blood of Jesus. The blood, the blood, the blood, the blood, the blood. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Joie. 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 Pape Jean. Puissant sans ça qui bat moins force joie ouais je n'y pas jamais perdu puissant l'immonté descend dans la vallée qui pifonce sans ça qui bat moins force joie ça qui bat moi un avec ou force joie préjour li pap j'en perdu puissance. Oh alléluia, sans Jésus pas j'en perdu puissance. Le sang de Jésus pas j'en perdu puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus pour briser toutes les chaînes. La puissance
dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Vous brisez la chaîne, vous brisez la chaîne, vous brisez la chaîne. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Vous brisez la chaîne. Vous brisez la chaîne, vous brisez la chaîne. Il y a pouvoir dans le nom de Jésus. Il y a pouvoir. Il y a pouvoir dans le nom de Jésus. Vous brisez la chaîne, vous brisez la chaîne, vous brisez la chaîne. Gagnez puissance dans le nom de Jésus. Gagnez puissance dans le nom de Jésus. Pour casser chaînes, pour casser chaînes, gagne la main qui campe, gagne la main qui campe. Ou casse chanyo, ou casse chanyo. There's an army rising up. There's an army. Chains, to break every chains, to break every chain. Y'a une armée qui se lève. Y'a une armée. Vous brisez la chaîne, vous brisez la chaîne. Il y a une armée, il y a une armée qui se lève. Il y a une armée, il y a une armée qui se lève. Vous brisez, brisez. Vous brisez la chaîne, vous brisez la chaîne, vous brisez la chaîne. Vous cassez chaînes, vous cassez chaînes, vous cassez chaînes. Tu bois, tu bois qu'à vous y chaînes, tu bois qu'à vous y chaînes. Vous brisez la chaîne, vous brisez la chaîne, vous brisez la chaîne, vous brisez la chaîne. Alléluia. Oh mes bien-aimés, quand nous invoquons le nom de Jésus, quelles que soient les chaînes, Jésus peut les briser dans le nom de Jésus de Nazareth. Quelle que soit la chaîne qui t'a marré nous, dans le nom de Jésus, c'est pour les briser. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.
quel que soit le lien. David dit, les liens de la mort m'avaient environné. J'étais en proie à la tristesse, à la douleur. Mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Psaume 30. Et psaume 18. J'invoquais le nom de l'Éternel. Qui dit, ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel m'a exaucé. Il ne m'a pas livré à la mort. Ouvre-moi la porte de la justice. J'entrerai et je louerai l'Éternel. Oh, merci Seigneur de ce que tu nous as délivré. Il a tenu les chaînes. Oh, même Jean-Lazare était en bas. Et le Jésus paraît, il dit sorti. Lazare sorti. Lazare était un paquet de bagages qui m'arrive. Il dit déliez-le. Alléluia, peut-être pour le cas de liberté. Alléluia, dit déliez-le, démarrez-le, détachez-le. Pour qu'à libérer, pour qu'à marcher. Dans un moment ça, alléluia, font mouvement encore. Dit toute corde qui te marime, toute chaîne qui te marime, brisée au nom de Jésus. Déliez-le, 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 alléluia. Oh, la masoko, la chaîne qui te marime, nam nous. Chaîne qui te marie l'esprit nous. Chaîne qui te marie corps nous. Chaîne qui te marie famille nous. Nous déclarer liberté dans le nom de Jésus. Allez, Mosaka là-bas. Si le Fils vous a affranchi, nous serons, vous serez réellement libres. La liberté. Liberté en ce lieu, la liberté en ce lieu, liberté dans le nom de Jésus, liberté dans le nom de Jésus, liberté dans l'esprit nous, liberté dans l'âme nous, liberté dans le corps nous. Oh, la masoko là-bas, freedom in our spirit, freedom in our mind, freedom in our body, le ko la massa, liberté, oh la masoko là-bas, liberté dans le nom de Jésus, liberté, liberté, toute chaîne péché qui te marie nous, que soit vieille chaîne qui te kebe nous en captivité. Oh, il te vini pour libérer captivio. Il te vini pour libérer captivio. Dans le nom de Jésus de Nazareth, alléluia. Lève-toi, sois éclairé. Car la lumière arrive. Que lumière, bon Dieu, brille. Alléluia. Il dit que ça me voyait pour libérer captivio. Au nom de Jésus, à ce moment, cet après-midi, ça. Nous déclarer tout ça qui est en captivité. Oh, tout ça qui est en captivité. Nous déclarer liberté. Dans le nom de Jésus, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a envoyé pour apporter les bonnes nouvelles. Il m'a envoyé pour libérer les captifs. Il m'a envoyé, dit Jésus, pour guérir les cœurs brisés. Quel que soit ça qui est en captivité, tout ça qui est en captivité, nous déclarer liberté, liberté dans nous, liberté, tout ça qui est marré nous, nous déclarer liberté dans nous, liberté dans pensée nous, toute vieille pensée qui est en captivité, vieille pensée mal, nous déclarer liberté. Toutes vieilles chaînes qui te marrent nous, chaîne la misère, chaîne péché, chaîne vieux désir sexuel, chaîne cigarette, chaîne vol, chaîne homosexuel, chaîne tafiaté. Au nom de Jésus, nous déclarer liberté. Parce que Jésus te dit délier-le. Dans le nom de Jésus, nous déclarer liberté. Toutes vieilles chaînes et pudicité. Au nom de Jésus, nous déclarer liberté. Au nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus, que la puissance de Dieu agit. Que la puissance de Dieu agit. Que la puissance de Dieu agit en ce lieu. Que la puissance de Dieu agit en ce lieu. Que la puissance de Dieu agit dans notre vie. Dans le nom de Jésus, si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. L'Esprit de Dieu, l'Esprit des quatre vents, soufflez Clémosaka là-bas. L'Esprit des quatre vents, du nord au sud, de l'est à l'ouest, l'Esprit de Dieu soufflez en ce lieu, souffle en la masoko là-bas, l'Esprit de Dieu souffle sur nous, souffle la kaino, souffle la kaino, souffle en la masoko là-bas, que le, alléluia, même je l'Éternel te dit, tout ossement de, alléluia, reprendre vie, alléluia, que tout ossement desséché, reprendre la vie, la vie, la vie dans la vie spirituelle, non, la vie dans l'âme, non, la vie dans le corps, le mosaka là-bas, l'Esprit de Dieu soufflé, l'Esprit de Dieu soufflé au nom de Jésus. La vie dans le cœur, la vie dans l'esprit. Oh, la vie, 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 la vie. Jésus dit déliez-le, déliez-le, déliez-le. Il dit déliez-le, démarrez-le,
Les gens lui dit Lazare ressuscité, Lazare retourne à la vie. Mais tes gon bagay qui te mari Lazare. Lazare pas de café mouvement. Lazare alléluia, pas de café mouvement. Mais Jésus dit délier-le aussitôt que retire corde yo, ou retire toute toile qui te mari Lazare yo. Lazare ka marché, la mama soko yaba, le bossa kalaba. Nous déclarer liberté, tout ça qui te mari non, toute corde qui te ben en captivité, toute corde qui te mari entrain non, toute corde qui te mari dossier non, quel que soit côté code lambrique nous te marré, quel que soit côté te marré nous en bas de l'eau nombre jabrasial redemo sakalama. Nous déclarer liberté, liberté. Si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Si l'Esprit de Dieu m'a affranchi, je serai réellement libre. Je déclare la liberté sur ma vie, je déclare la liberté sur ma famille, je déclare la liberté sur mon mari, je déclare la liberté en ce lieu. Déclarer, déclarer. Si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. L'Esprit de Dieu m'a affranchi. L'Esprit de Dieu m'a affranchi. Je déclare la liberté. L'Esprit de Dieu m'a affranchi. Je déclare la liberté. Déclare. L'Esprit de Dieu m'a affranchi. Je suis libre. L'Esprit de Dieu m'a affranchi. Je suis libre. L'Esprit de Dieu m'a affranchi. Alléluia. The Spirit of the Lord set me free. I am free. I am free. The Spirit of the Lord set me free. I am free indeed. In the name of Jesus. L'Esprit de Dieu m'a affranchi. Je suis réellement libre. L'Esprit de Dieu m'a affranchi. Je suis réellement libre. L'Esprit de Dieu m'a affranchi. Je suis réellement libre. L'Esprit de Dieu m'a affranchi. Je suis réellement libre. L'Esprit de Dieu m'a affranchi. Je suis réellement libre. L'Esprit de Dieu m'a affranchi, je suis réellement libre. L'Esprit de Dieu m'a affranchi, je suis réellement libre. L'Esprit de Dieu m'a affranchi, je suis réellement libre. L'Esprit de Dieu m'a affranchi, je suis réellement libre. Alléluia. L'Esprit de Dieu m'a affranchi, je suis réellement libre. C'est la parole de Dieu. Si l'Esprit de Dieu vous a affranchi, vous serez réellement libre. C'est la parole de Dieu, bien-aimé, que nous déclarons en ce moment. La liberté. Liberté sur notre territoire. Liberté dans notre vie. Liberté. You are free in the name of Jesus. If the Spirit of the Lord set me free, I am free indeed. Yes. God says, I am free. I am free indeed in the name of Jesus. Hallelujah. Et bien-aimé, nous allons passer, Pasteur Roman, qui va apporter et quelques mots de méditation. Amen. Nous allons voir comment on peut arranger ça pour que vous puissiez le voir, mais vous allez l'entendre, alléluia, et ce que dit la parole de Dieu, vous allez entendre sa voix, alléluia, et vous capable prendre et bibou, capable prendre cahier et pour prendre les paroles, vous capable méditer sous lui-même dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Nous pour aller, gloire à Jésus, et mettez-nous en direct avec Pasteur Roman, et qui est capable d'apporter des mots de méditation dans le nom de Jésus. Pasteur Roman, que Dieu vous bénisse. La paix, la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen. Amen. Donc, immense joie de vous retrouver tous et toutes sur notre plateforme. Donc, c'est une grâce que Dieu nous a faite pour être encore son messager. Amen. Et mes bien-aimés, nous allons sans plus tarder ouvrir, eh bien, la Bible, la parole de Dieu, c'est toujours dans le chapitre 6. Et c'est là que nous allons puiser ensemble de la nourriture spirituelle. Amen. Sans plus tarder, nous allons demander à la sœur
nous de prier pour nous avant la proclamation. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous encore une fois, nous te remercions. Merci Seigneur Dieu pour ta fidélité et ton amour envers nous. Merci Seigneur Dieu pour tous les moments que nous avions passé à t'adorer et te prier, te chercher. Le moment arrive, Seigneur Dieu, pour écouter ta parole par ton serviteur, Pasteur Roman Fleurville. Je te demande, Seigneur Dieu, de parler. De même que Samuel dit, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Seigneur, en ce moment, nous te disons, parle et tes serviteurs, tes servantes t'écoutent. Que ton nom soit béni, soit glorifié, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. La paix et la vérité soient avec vous. Amen. Gagne un puissant. La nous sommes à avec vous. Amen. Jésus évalue ses disciples. Amen. Tel a été notre sujet et nous poursuivons avec ce même sujet, mais nous allons poursuivre d'autres objectifs. C'est-à-dire, nous allons apporter des éléments nouveaux insérés dans le cadre du sujet que voici. Amen. Et sous la grâce, l'onction du Saint-Esprit, nous allons pouvoir ensemble, bien-aimés, découvrir, eh bien, de nouveaux enseignements à travers le chapitre que nous trouvons ici, le chapitre 6 de l'Évangile de Jean. Jean chapitre 6. Mes bien-aimés, oui, mes bien-aimés, nous allons ensemble, eh bien, lire quelques versets, mais c'est toujours en Jean le chapitre 6. Amen. Jean chapitre 6. Disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Allah au grand Seigneur. Allah au grand Seigneur. Allah au merveilleux Seigneur. Allah au merveilleux Seigneur. Oui. Jean le chapitre 6. Nous allons prendre les versets de Chabot. Nous allons lire à partir du verset 15. Et Jésus
sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Amen. Quand le soir est venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Amen. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent. Amen. Et la mer était agitée. Yes. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Mes bien-aimés, rappelez-vous, dimanche dernier, lors-même nous avons abordé le sujet d'avoir Jésus évalué ses disciples. Yes. Nous avons effleuré un concept assez important, c'était l'évaluation. Yes. L'évaluation, nous avons dit que c'est un processus et nous avons pris l'exemple de l'état de classe où le professeur, après avoir dispensé son cours et utilisé son package de savoir, de connaissances pour apprendre aux élèves des notions, et bien, voulant s'assurer que les élèves à qui il a donné les enseignements ou a appris la notion, voulant s'assurer que ces élèves la développent ou bien acquièrent la compétence, eh bien, il va le juger comment? Eh bien, pour y arriver, il va administrer un test. Il va administrer aux élèves un test devant lui permettre de voir, de juger, évaluer, est-ce que l'élève atteint ou bien acquiert la compétence qu'il faut. Donc, en gros, c'est ça, l'évaluation. Amen. L'évaluation, nous disons que c'est un processus. Parce que, comprenez bien, professeur là, nous prépare pour lui, pas vrai? Amen. Et il vient avec tout un scénario pédagogique, méthode, pour lui faire passer courant. Et maintenant, il s'est fixé aussi des objectifs. Amen. C'est-à-dire à travers le test administré, le prof s'est fixé des objectifs. Voir, et pour chaque objectif, eh bien, il va pouvoir le vérifier à travers des exercices ou encore, je dirais, des tâches à accomplir. Amen. Nous te prenons un exemple. On dit que nous sommes capables de faire manger. Parlant de tout le temps à montrer comment pour le faire manger. Il y a un moment, maman croisée, il y a et maintenant, il mettait petit à l'épreuve. Eh bien, la regarder, est-ce que si nous sommes maintenant capable de réaliser seul un spaghetti? Est-ce que si nous sommes capable de réaliser tâche, ça a qui c'est réaliser un spaghetti? Spaghetti. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Amen. Alors, spaghetti a représenté tâche là. On sait tout, il était capable justement de préparer, je dirais, autre chose. Par exemple, ça aurait pu être
un chocolat par exemple, ou bien un poulet, quelque chose d'autre, un gâteau par exemple. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir aussi eh bien, d'autres objectifs, puisque ça existe aussi sur l'angle spirituel. D'ailleurs, vous savez que moi, Jésus, pendant toute sa vie, a voulu, n'est-ce pas, donner une formation solide, n'est-ce pas, à ses disciples. Amen. Premier objectif, Jésus t'a fixé cette plus, c'est que l'œil d'un disciple en présence, eh bien, mettre là, il ne doit pas nous lever devant. L'appel à la vie soit avec vous. Amen. Philippe et André, c'est nourri l'idée de manque. Parce que, rien avec les poissons, hein, et au gain, yo, pas suffit pour bailler tout le monde à manger. Et ça, monsieur, tes pensées, hein, Jésus était toujours le contraire. Jésus a dû prouver, n'est-ce pas, aux disciples Philippe et André, le contraire de ce qu'ils pensaient. Amen. Et là, monsieur, tes ouéteux, c'est pas. Ou capable de penser, je pense là. Mais ça ne veut pas dire que c'est constaté. Bon Dieu lui-même. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça, ça a nié. Ça s'est pensé par nous en tant que l'homme. Nous capables de penser, nous penser réalité à yon gens. Mais gens nous penser réalité à. Réalité que nous-mêmes, nous penser à, c'est pas comme ça lié au bon Dieu. Amen. Parce que bon Dieu lui-même, il n'est pas même déjà avec nous. Yes. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Amen. Ésaïe 55, le verset 8. Alors, mes bien-aimés, aujourd'hui, nous avons sous la grâce, l'onction du Saint-Esprit, nous avons pu découvrir d'autres objectifs. Dans le cadre de notre sermon, nous avons l'objectif que voici. Le changement devient possible que lorsqu'on croit véritablement au Fils de Dieu. Amen. Donc, le changement devient possible que lorsqu'on croit véritablement au Fils de Dieu. Donc, d'abord, il faut croire, il faut continuer. Oui, garder notre foi en Dieu. Premier objectif, il faut croire au-delà de toutes mesures. La paix de Dieu soit avec vous. Amen. Amen. Croire au-delà même du temps. Croire au-delà de toute mesure. Yes. Nous pas de gain foi qui limite mon Dieu. Et d'abord, objectif ça que n'a pas l'eau de venir, hein, Jésus-Christ est là, c'est quoi au-delà de toute mesure? Pour mieux comprendre, on nous fait un petit coup de voyage dans Jean. Jean chapitre 14, verset 8 et 9. Jean 14, verset 8 et 9. Vous mettez les bonnes, c'est le nom. Je n'ai pas le nom. Jean chapitre 14. Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, mm-hmm. et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, ah. a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Voilà. Philippe
qui prétendent connaître bon Dieu, la marcher avec Jésus, mais ne pas connaître qui est. Jésus est véritablement. Amen. Nous étions passé en premier test. Jésus qui a administré mon premier test. Et nous voyons comment Philippe n'a pas passé l'examen. Deuxième test là, Philippe connaît. Amen. Mais là, dans Jean 14 là, il y a l'autre test encore que nous voyons. Si Philippe a passé de test en test, ça veut dire que bon Dieu, l'objectif que vous atteint avec Philippe, il faut qu'on satisfait. Yes. Amen. Eh bien, pour mon Dieu satisfait de Philippe, il a fallu que Philippe reçoive la révélation du Fils de Dieu. Yes. La paix de Dieu soit avec vous. Amen. Donc, cette révélation du Fils de Dieu s'avère si importante que Jésus se voyait donc dans l'obligation de poser eh bien aux disciples des questions concernant sa personne, son identité. Eh bien, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Lorsque Philippe parle comme ça, ça veut dire Philippe, faut qu'on ait révélation. La paix de Dieu soit avec vous. Amen. Philippe, faut qu'on ait révélation. Ça, eh bien, nous voyons que Jésus, il dit Philippe, il y a si longtemps que je suis avec toi. Et tu n'as pas connu Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Yes. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ça veut dire que pour un monde, et pour qui ça Jésus même, lui passer Philippe testa, ou elle t'a semblé avec l'autre testa, va bien? Yep. Pour qui ça Jésus passe Philippe Tessa, la raison est simple. Pour nous comprendre la raison qui fait bon Dieu passer Philippe Tessa, on nous retourne encore dans Jean 6 là, pour comprendre. Dans Jean le chapitre 6, dans Jean le chapitre 6, verset 19, il dit, après avoir ramener environ 25 ou 30 stades, il vit Jésus marchant sur la mer. La mer et s'approchant de la barre. Super. Ça veut dire que Jésus est prêt. Philippe reconnaît que monde qui a une révélation du Fils de l'homme, une fois qu'on a une révélation, ça, la conférence doit pour capable. Eh bien, rentrer dans le surnaturel de Dieu. Amen. Amen. Expérimenter le surnaturel de Dieu. C'est-à-dire, Jésus a marché sous la mer. Yes, yes. Et là, ça fait l'autre dimension. N'importe qui pas qu'à marcher sous la mer, problème, difficulté, sous ton disciple. Amen. Pas compris. Amen. Si vous parlez de la révélation du Fils de Dieu, ou pas qu'à atteindre dimension ça. Donc, Jésus a voulu changer l'attitude de Philippe. Donc, faire Philippe passer dans l'autre dimension. Dans Jean 6, versets 68 et 69, là, nous te voyons comment Philippe, eh bien, t'es passé test là. Test côté que, qu'il y a l'idée que Jésus des pouvoirs pour transformer situation. Et au côté que, avec 50 petits pains et poissons que tu as gagnés, papa, et du côté que Jésus arrivait à bail 5000 personnes manger. Donc, la foi Philippe t'a gagné, expérience Philippe t'a gagné, c'est ton expérience qui t'est basée sur la multiplication des pains.
Mais Philippe, faut qu'on ait une expérience qui pour permettre que l'on comprenne que les mondes disciples ont un pouvoir pour et bien, marcher sous la mer, problèmes, difficultés, expérimenter le surnaturel de Dieu. Il faut qu'on ait une dimension ça. Et pour y arriver, il a fallu que Philippe atteigne cette dimension et saisisse et bien, cet enseignement. C'est-à-dire, Jésus a le pouvoir pour marcher sous la mer. Amen, amen. Amen. Le changement devient possible lorsque nous croyons véritablement au Fils de Dieu. Amen. Pour passer d'un niveau naturel à un niveau surnaturel. Amen. Donc, changement ça, l'impossible, mais c'est lorsque nous croyons véritablement au Fils de Dieu. C'est-à-dire, il faut une révélation particulière, amen, personnelle, comme une révélation personnelle sur la personne de Christ. Donc, les bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, Jésus s'est permis que Philippe s'est vive événement ça. Mais lorsque disciples, parmi lesquels Philippe, tous mes disciples, nous étions à garder Jésus qui a marché sur la mer, nous étions peur. Si on peur, ça veut dire qui ça? Ça veut dire vos compétences que vous pouvez développer. Amen. Vos compétences spirituelles que vous pouvez développer. Donc, rappelez-vous que la compétence, c'est quoi? Il y a deux bagages qui baillent compétence. C'est connaissance plus expérience. Amen. Amen. Donc, Philippe devait avoir une nouvelle connaissance. C'est-à-dire la révélation sur la personne de Christ. Révéler que Christ lui-même, il s'est si là, il a un pouvoir pour opérer en quelque lieu que tu es capable de trouver lui. Amen. Bon Dieu, ça n'a pas de limite pour lui marcher sous la mer. Amen. Pas oublier, la mer, c'est. La mer, c'est. La mer, c'est symbole du monde changeant et instable. Yeah. Lors de la mer, lui représentait les difficultés. La mer représente les difficultés, les dangers auxquels nous sommes exposés. Donc, même nous avons besoin de la mer, difficultés, d'être chargés devant. Donc, la mer, ça, donc, Jésus a marché sous la mer. Il a marché sous la mer. Ça veut dire, même si il y a une révélation, ça, que Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est Dieu, et bien même jeune qui marche sous la mer, la boîte pour voir tout pour marcher sous la mer. Amen. 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 La paix de Dieu soit avec vous. Amen. Jésus permet que disciples elles-mêmes à marcher sous la mer. Pourquoi? Parce que Jésus a voulu enseigner aux disciples, yes, que petit. Yes. Amen. 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 Même gens, moi-même, pour marcher sous la mer, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. La paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Amen. Pendant Jésus sous la mer, c'est un gros vent qui s'est levé. Vous allez dans verset 6 ou 1. Yes. C'est un gros vent. Il y a un gros vent qui levait, gros tempête. Ça veut dire, pas oublier, lorsque Dieu s'est précipité, eh bien, les anges déchus, bien qu'ils soient tombés dans la mer, bien qu'ils soient tombés dans la boîte, bien qu'ils soient tombés dans la forêt, bien qu'ils soient tombés sous terre, eh bien, dans la mer, il y a des démons. Yep. Dans la mer, il y a des diables. Eh bien, c'est vrai, la mer est en brûle,
mais mon qui sous la mer, la mer pas alléluia, gloire à Jésus. Merci à Dieu, bon Dieu, bon pouvoir à marcher. Amen, amen. Quand c'est dit que Christ, l'on atteint une dimension, alors bien connaissance, ou bien la révélation du Fils de Dieu. Alléluia. À savoir, Jésus, connaît Jésus, dans dimension, pas dimension pour bon manger, pain à croissant. Alléluia. Mais dans dimension, c'est le pain de vie. Yes. Amen, amen. Yes, il est le pain de vie. Et bien, Dieu vous accorde le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est pourquoi le disciple accompli doit pouvoir expérimenter le surnaturel de Dieu. Alléluia, glory. Eh bien, les disciples, voyant Jésus marcher sur la mer, ils étaient effrayés, ils étaient peur. Donc, vos dimensions que nous pouvons atteindre. Jésus t'a vu faire expérience ça. T'es vu bien connaissance pour expérimenter pour nous marcher sur la mer. Amen. Et monsieur, tes pensées, c'est ton fantôme. Jésus dit comme ça, n'ayez pas peur. Si tu as nous peur, c'est moi-même. Yes. Amen. La paix de Dieu soit avec vous. Amen. Amen. Si tu as nous peur, si tu as nous peur, c'est moi-même qui a marché. N'ayez pas peur. Jésus dit ça. Bref, il dit au Père, le verset 20, mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Amen. Donc, je ne connais pas qui moun captain de là qui peur. Je ne connais pas qui moun qui là captain de qui vont stress, qui vont l'emmener difficulté. Qui entoure eux. Même dit, vous entendez, au besoin, il vous faut la révélation du Fils de Dieu. Alléluia. Il faut expérimenter le surnaturel de Dieu. Il y a un combat qu'on va mener, ce n'est pas avec la chair et le sang. Il vous faut la grâce le surnaturel. Surnaturel de Dieu pour affronter et bien, ce problème. Et je vous rassure que vous serez plus que vainqueur. Yes, amen. Au nom de Jésus. Oui, ou plus que vainqueur parce que le Seigneur Jésus eh bien, veut que le disciple qui marche avec lui atteigne cette dimension. Yes. C'est pas la mer pour dominer, ou c'est où pour dominer. Yes. Amen. Moun qui disciple, qui a marché avec le Seigneur, qui a une révélation, fils de Dieu, ça. Eh bien, problème pas de dominer, ou c'est où pour dominer problème, quel que soit taille. Amen. Amen. La paix et la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Amen. Donc, Jésus, même Jean Jésus marchait sous l'eau, sous la mer, il veut marcher sous la mer pour là même. Amen, amen. Gloire à Dieu. Thank you, Jesus. Et ça, c'est pas avec la chair et le sang. Non. C'est révélation du Fils de Dieu qu'on veut gagner. Connais qui est Jésus et tout bon. Amen. Yes. Il peut tout. C'est l'alpha, l'oméga. Yes. Il est le premier, le dernier. Amen. Il est le commencement et la fin. Il dit, la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Il est celui qui calme le vent et la tempête. Donc voilà, Jésus veut communiquer, eh bien, à nous, à chacun de ses disciples, la grâce surnaturelle de Dieu. Combien de monde qui veut recevoir grâce à Amen. Amen. Après nous dire. Eh bien, mes bien-aimés, non seulement croire véritablement au Fils de Dieu, Alléluia. C'est un objectif, je dirais, assez intéressant pour Dieu, connaître Dieu dans cette dimension, pour pouvoir expérimenter le surnaturel de Dieu. Oui, Dieu veut nous accorder sa super puissance pour dominer sur tous les problèmes de la vie. Et pour cela, Dieu veut que vous et moi, nous allions plus loin que la foule. Amen. Eh bien, cette vision, Dieu l'a chérie. Oui, la patente nous l'a.
Deuxième et objectif que Jésus lui-même lui fixé dans le cadre d'enseignement, ça, il veut que nous travaillons, nous développer compétences là. Yes. Dieu n'accepte que les cœurs reflétant la motivation pure comme disciples. Amen. Et non ceux qui ne cherchent que des gains pour la vie éphémère. Remarquez bien que la foule et certains disciples aussi s'est retiré. Vous vous rappelez? Amen. Et puis Jésus demandait Philippe, pour qui ça nous-mêmes d'où ça nous parler tout? Tu as les paroles de la vie. Il te répond, c'est vous-même qui avez les paroles de la vie. Yes. À qui est-ce que tu as nous aller? À qui y en nous? Toi, tu as les paroles de la vie. Eh bien, Dieu veut que nous reflétions une motivation pure. Yes. Pas chercher pour des gains éphémères, mais cherchez-les comme le pain de vie. Yes. Amen. Le pain de vie, c'est-à-dire, un package. Yes. C'est le salut au complet. Yes. Et il y a un objectif que nous devons saisir encore dans le cadre de ces montants, c'est que pour Dieu, le spirituel précède le matériel. Oh, amen. Le spirituel précède le matériel. Amen. Amen. La paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Alléluia. Et nos disciples qui ne comprennent pas la réalité, ça, il y a une dimension par capra. Amen, oui. La paix de Dieu soit avec vous. Amen. Parce que quand on cherche, quand on priorise le matériel sur le spirituel, eh bien, bon, c'est un examen qui a fait décourager. Amen. Bon, c'est un examen qui a fait chuter. Bon, c'est un test. Si bon Dieu a béni ce loyer, on va quitter ça. Parce que c'est un motif pour aller pas pur. Amen. Donc, le spirituel précède le matériel. Je n'ignore pas le matériel. Ah, attention, s'il vous plaît, parlez vous de mes interprétés. Il n'y a personne qui dit comme ça. Prédicateur là, ou bien pasteur là, il veut faire nous comprendre que le matériel n'est pas important. Nous sommes hypocrites. Non, nous avons besoin de belle caille, nous avons besoin de belle auto, nous avons besoin de tout ça que nous avons besoin pour vivre normalement. Parce que c'est pour nous, bon Dieu, qui créé. Mais il faut accorder la priorité à ce qui est prioritaire. Yes. Amen. Le spirituel précède le matériel. Et pour pouvoir expérimenter le surnaturel de Dieu, il faut obéir à cette loi. Amen. C'est un secret. Pas de monde qui arrive dans la dimension ça. Pour être capable de dominer le monde, pour être capable de marcher sous l'emmène, problème à difficulté, pour ne pas obéir à la loi ça, pour ne pas maîtriser la loi ça, que le spirituel précède le matériel. La paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen, amen. Jean le chapitre 6, encore, et verset 26, ou il veut dans verset 28, moi t'as aimé ce. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. Et que continue après. Voilà un objectif. Travailler non pas pour la nourriture. Ce ministère, non pas pour la nourriture qui périt. La paix de Dieu soit avec vous. Amen. Hein? Mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Éternelle. Éternelle.
continue. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Verset 28. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Verset 29, combien? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Merci. Ouais, encore, Dieu persiste. Ouais, chapitre a persisté sur ça. C'est connaissance, révélation, fils de Dieu. Ça, c'est important. Amen. Gardez dans verset 30, il faut voir comment cela va réagir. Quel miracle fais-tu donc? Lui dit-il. Afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Tabela. Malgré tout ça, Jésus fait il y a 5000 personnes manger. Gardez une question, mais vous posez Jésus. Mes bien-aimés, je vous invite à réfléchir. Bon petit temps, réfléchis. Gardez Jésus fait il y a 5000 personnes manger. Gardez gros miracle Jésus se fait. Gardez tout le monde Jésus guérit déjà. Mais gardez une question que je pose à Jésus là. Quel miracle fais-tu donc? Lui dit-il afin que nous le voyions et que nous croyons en toi. Que fais-tu? Ah, ça fait me comprendre que il y a un monde mémoire au coup. La paix de Dieu soit avec Amen. Vous. Amen, Jésus. Lorsque nous baillons priorité avant nous, lorsque nous baillons priorité avant nous, mais moi nous coûte. Parce que quand nous grand goût encore, nous oublions ça, bon Dieu te fait. La paix de Dieu soit avec vous. Amen. Donc, les gens qui baillent priorité avant nous, mais moi nous coûte. Gardez Jésus se baille au manger. Ils ont fait tout gros miracle ça devant yo, pas vrai? Nous même te voulons faire loi, pas vrai? Amen. Nous te même, c'est pas moi qui dis, nous regardez dans verset 15 ans, vous dans Jean 6. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne. De nouveau sur la montagne, lui seul. Dans mon pauvre nuit, Jésus obligé de démarquer monsieur parce que yo ouais à travers le miracle que la fait moun la baye manger yo dit ah son nom quoi ça nous besoin pour diriger nous. Yo voulait faire loi. Et voilà dans verset 30 il y a des questions les yo poser. Hein? Qui miracle ou fait là? Qui sort de la scène? Qui sort de faire là pour nous taper dans roi? Qui sort fait là? Qui miracle ou opérer là? On fait pour nous. Ça veut dire, mais moi, écoute, n'oubliez si vous avez fait du roi, parce que Jésus te baille au manger, il te fait miracle pour vous. Mais c'est ça que fait moi-même avec vous, Jésus a voulu nous refléter l'état des pitards. Jésus a voulu que moi-même avec vous, ça fait disciple pour le niveau ça. Et c'est ça que fait de temps en temps à évaluer pour vous, est-ce que vous développez compétence? Amen, amen. Que la cherche. Dieu n'accepte que les cœurs reflétant la motivation pure. Alléluia. Comme d'ici, et non ceux qui ne cherchent que des gains pour la vie éphémère. Mais bien aimé, Assoya, on t'a aimé pour comprendre que si on ne connaît pas connaît Jésus dans la dimension qu'on connaît maintenant, ou pas capable d'expérimenter le surnaturel de Dieu. Amen, amen, amen. La paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Le surnaturel de Dieu implique la révélation amen. Du Fils de Dieu yes. Pour gagner connaissance là et pour faire expérience avec le Fils de Dieu. Amen. C'est-à-dire, il faut que on vous expérimenter le surnaturel de Dieu pour ne pas faire problème. Amen. Amen. Pour ne pas faire difficulté. Pour ne pas faire mauvais la vie. La paix et la grâce de Dieu soient avec Alléluia. Vous.
bien pour faire problème ou faire difficulté, il y a une dimension surnaturelle qu'on peut apprendre, c'est impossible. Amen. Parce que la messe, que nous venons dans Jean le chapitre 6, c'est un symbole de problème, de difficulté, d'être chargé. Combien de monde qui ont difficulté d'être chargé par un haut, par un bas? Ah, ma douleur soit à maman pas qu'à mettre au dehors, papa pas qu'à mettre au dehors, zami pas qu'à mettre au dehors dans son yéa. Ou bon grain bagaille qui pour mettre au dehors, c'est Jésus seul qui a mettre au dehors. Amen. Et pour mettre au dehors, il faut que vous ayez, eh bien, cette compétence. Laquelle compétence exige une révélation, disons mieux, la révélation du Fils de Dieu et aussi l'expérience personnelle avec le Fils de Dieu. Belle. Donc, faut que nous ayons connaissance, parole, révélation sur la personne de Dieu et puis faut que nous fassions expérience. Ou pas qu'à parler d'expérience pour rentrer dans la dimension surnaturelle, ça, si vous faites problème, si vous faites être chargé, si vous faites difficulté, soit nourrir l'idée de manque. Donc, il faut le renoncement total. Amen. Il faut croire que avec Jésus, le problème qui dressé devant nous, c'est un rideau de fumée que lié. La paix de Dieu soit avec vous. Amen. Donc, la fumée en devant, même si elle bouche les yeux, il n'est pas là pour longtemps, elle a passé quand même. Amen, 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 amen. La fumée, ça, où elle barre les yeux là, eh bien, avec la puissance de Dieu, l'esprit des quatre vents, l'esprit des quatre vents, ça, lui-même, il est capable de chasser la fumée, ça, devant. Amen. Et pour être clair. Amen. Yeah. C'est pas avec la chair et le sang que la fête. La fête avec la puissance de Dieu. C'est avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Fils de Dieu en vous que la possible. Amen. Amen. Parce que nous qui avons l'Esprit de Dieu dans lui-même là, nous avons un aimant de grâce. Yes. Ils vont pouvoir, ils vont autorité pour calmer le vent et la tempête. Jeudi à les 12, pendant que Jésus a marché sous de l'eau, ils étaient peur. Peut-être qu'on était capable de jeudi à condamner eux parce qu'ils étaient peur. La peur, c'est un bagage qui accueille tout le monde. C'est une émotion humaine que lié. Mais Jésus voulait que nous transcendions tout ça et pour nous atteindre l'autre dimension. Parce que qui nous dit qu'il est heureux en réalité? C'est le monde qui n'a pas peur. C'est le monde qui croit dans le Fils de Dieu. Amen. Et qui n'a pas peur depuis la vie côté qui est heureux. Alléluia, gloire à Jésus. La paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen, amen. Amen. Mais bien aimé, dans Jean chapitre 4, versets 8 et 9, Jésus a voulu faire accéder son élève Philippe à une nouvelle dimension. Il s'est fixé un objectif, celui de le conduire à expérimenter le surnaturel de Dieu. Et pour y arriver, mes bien-aimés, il aurait dû faire preuve de compétence. Croire que Jésus est le pain de vie. Yes. Croire que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Et accepter que le disciple a le pouvoir de dominer sur les choses naturelles comme sur les choses surnaturelles. Amen, amen. Donc le disciple a le pouvoir de dominer tant sur les choses naturelles, sur les choses surnaturelles. C'est-à-dire les problèmes qui vivent de façon naturelle, mon Dieu.
Pour les problèmes naturels, nous avons besoin de discernement, nous avons besoin de sagesse, nous avons besoin de patience pour être capables de surmonter. Amen. Mais les problèmes, ils ne sont pas naturels, ils ont une forme naturelle, mais ils ne sont pas naturels. Amen, amen. Et le disciple qui veut triompher, eh bien, doit maintenant faire l'acquisition, eh bien, de la puissance de Dieu et ce qu'on appelle le surnaturel de Dieu. Donc, il vous faut cette dimension. Il faut cette dimension pour pouvoir, eh bien, triompher. Car, bien sûr, le monde, parce qu'ils n'ont pas atteint une dimension ça, eh bien, ils ont remporté victoire, ils ont remporté bataille là, mais ils n'ont pas sorti pur et triomphant. Amen. Or, la volonté de Dieu, c'est quoi? Lorsque nous avons développé la compétence, eh bien, étant lié à notre statut de disciple, eh bien, lui permettre que nous sortions dans l'étio pur et triomphant. Combien de monde qui sentit au nom lutte à soya? Combien de monde qui sentit que au nom bataille, au nom l'amène? M'a dit que le problème, mon Dieu, veut bonne dimension. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. La difficulté, là, bon Dieu, veut bonne dimension. L'on comprend ni comme ça, ou pas décourager. Combien de monde qui découragé? Combien de monde qui fait abandon? Combien de monde qui sentit c'est fini? Il n'y a plus d'espoir. Mais rappelez-vous que le maître s'est fixé des objectifs à ton sujet. Alléluia. Oui, il a fixé des objectifs. Dans ce la méthode. Merci Seigneur. Mais pas oublier, problème n'a pas venu comme ça. C'est un problème qui vient pour bonne compétence. Yes. Pour capable affronter bénédiction pour bien devant eux et vivre la vie dans l'autre dimension. Dans dimension côté que pour toujours au-dessus de la mêlée. Alléluia. Pour que en rien parce qu'on renie le nom de Christ. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Alléluia. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous disons Dieu merci pour parole. Alléluia. Parole de la vie que tu as utilisé, serviteur pasteur Roman Fleurville. Tu es capable de porter pour nous, pour réconforter nous, pour encourager nous à marcher dans la foi. Gloire à Jésus parce que nous observons que bon Dieu. Et nous prenons prier, quel que soit la mer rouge, quel que soit le vent qui a pas agité. Jésus, c'est le monde qui marche sous de l'eau. Quel que soit démon, Jésus a un pouvoir. Alléluia. Pour le commander et retirer le fait de quitter la vie au nom de Jésus. Nous allons prier, bon Dieu. Pasteur, je ne vais pas sur les gombas que tu as ajouté avant que nous prions. Et pour le peuple de Dieu, pour nous-mêmes, tout, qui a prié, famille, nous, qui a suivi à travers le monde. Bon, ça nous a aimé ajouter. Ce que j'aimerais ajouter pour les gens qui venaient de m'écouter là. J'aimerais leur dire que souvent on a peur de faire face à certaines réalités, à des difficultés. Mais sachez bien que celui qui marche avec Dieu, Dieu lui accorde une grâce surnaturelle, une grâce spéciale pour affronter les défis de la vie. Et que ces gens-là ne doivent plus nourrir, eh bien, pareille idée, parce que Dieu peut tout. Oui, Dieu peut tout faire, Dieu peut tout arranger. Donc, que ces gens-là viennent se convertir au Seigneur et expérimenter le surnaturel de Dieu pour pouvoir vivre la vie pleinement. Et selon le plan de Dieu pour eux. Amen. Car Dieu a un plan merveilleux pour eux, qu'ils viennent à Jésus et que Jésus leur accorde le vrai bonheur. Et que les autres
qui se sont adonnés déjà au Seigneur, eh bien, qu'ils comprennent combien il est important d'expérimenter le surnaturel de Dieu pour pouvoir dominer tant sur les choses naturelles que sur les choses surnaturelles. Que le Seigneur nous bénisse, que Amen. Le Seigneur nous fortifie. Alléluia. Amen. Confiez en Dieu, connaît la pointe, sois-moi. Non, désert, ou non, mauvais chemin, non, mais poussé. Pam dans ciel là la PVE. David dit c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Un moment ça nous pral prier bon Dieu. Même Jean disciple était sous la mer dans bateau avant t'a soufflé au tes peur. Mais au te voyager au te voir Jésus qui a marché sous de l'eau. Et Jésus te dit pas besoin peur, c'est lui-même. Dans moment ça nous pral prier. Nous pas connaît qui vent cap souffler dans la vie ou. Nous pas connaît qui sac sorti pour faire peur. Mais nous pral aller côté le roi des rois. Celui qui parle au vent. Celui qui parle à la mer. Celui qui dit au vent tais-toi, la mer fait silence. Son nom est Jésus de Nazareth. Et nous pral aller parler avec Jésus, nous pral aller prier. Nous pouvons aller bander lui pour lui bannir la paix. Dit, il parle aux flots en demence. Paix vous soit. La mer, les vents font silence. Il est notre délivrance. Paix vous soit. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, Papa, nous en Jésus-Christ, nous bénissons, Seigneur Dieu. Nous adorons. Merci, Seigneur Dieu. Nous te réunissons en famille, Seigneur Dieu, pour nous aller chercher face ou prier au Seigneur Dieu. Côté Seigneur Dieu, et l'église va réunir dans le tabernacle, dans le temple. Mais Seigneur Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'église, Seigneur Dieu. Nous réunis, Seigneur Dieu, pour nous bons louanges, Seigneur Dieu. Et nous mettons ensemble, Seigneur Dieu, avec les saints de près et de loin, pour nous venir adorer. Parce que Seigneur, vous méritez toute louange, Seigneur, toute adoration. Merci pour chaque personne, Seigneur Dieu, qui t'est branché de près et de loin, Seigneur Dieu, ensemble avec nous, qui t'a cherché face. Seigneur Dieu, pas de monde qui prend une décision pour servir ou pour sortir. Pas de monde qui a cherché, Seigneur Dieu, pour ne pas quitter ou joindre nous. Parce qu'on fait nous connaître que je me laisse retrouver par celui qui me cherche et celui qui me cherche de tout son cœur. Seigneur, dans un moment ça, Seigneur Dieu, même Jean-Philippe t'a cherché pour le connaître. Philippe, Seigneur, pas de connaître. Mais il est arrivé dans une dimension, il dit, nous avons vu que tu es le Saint de Dieu. Seigneur, aide-nous à te connaître, Seigneur. Aide-nous à te connaître de la longueur, en largeur, en profondeur. Seigneur, donne-nous la force de continuer à te suivre, à te chercher. Seigneur, nous voulons connaître, Seigneur Dieu, et en profondeur, en largeur. Seigneur, chaque monde, dans le moment ça, t'as prié ensemble avec nous. Seigneur, touche cœur, aide-nous à connaître. Ça qui t'est troublé, fais reconnaître que tu es le Saint de Dieu, que celui, alléluia,
qui donne, qui a les paroles de la vie. Merci pour ton serviteur qui dépote tes paroles, ça, Seigneur. On va continuer bénir. Merci pour la soeur Nicole, le frère Fritz, la soeur Antoinette, la soeur Isabelle. Merci, Seigneur Dieu, pour la soeur Junia Pierre. Merci, Seigneur Dieu, pour la Esbellon Herbie Taverne. Merci pour le frère Ewood, Seigneur Dieu, le frère Fritz, la soeur Landy. Chaque monde qui t'a su sur un groupe, Seigneur Dieu. Nous disons merci pour la vie. Seigneur, nous allons calmer, quelle que soit la tempête qui t'a soufflé dans la vie, nous, Seigneur. Quel que soit vent. Oh, vent de désespoir, gain vent qui vient souffler sous forme de maladie, gain vent qui vient pour souffler sous forme de problèmes, de tribulations, de désespoir, de troubles. Gain vent, Seigneur, qui je dis pour souffler, pour attaquer la foi à nous. Dans le moment ça, Seigneur Dieu, que tout vent fait silence au nom de Jésus. Pas quitter un rien, Seigneur Dieu, détaché de vous-même. Pas quitter un rien, troubler nous, Seigneur. Pas quitter un rien, décourager dans la route là. Même Jean Chandi, moi pas perdu dans la route là. Les roues marcher avec moi. C'est un moment ça, Seigneur, qui est nous dans la présence, Seigneur Dieu. Pour un rien, pas détaché nous. Mais Seigneur Dieu, aide-nous à rentrer en profondeur. En dimension qu'on voulait pour nous, Seigneur Dieu, grandis-nous à tous égards, au nom de Jésus. Bénis-nous et nous serons bénis. Sauve-nous et nous serons sauvés, car tu es notre gloire. Seigneur, guéris-nous, guéris les cœurs brisés, guéris ceux qui sont troublés, guéris les malades, Seigneur Dieu, les gens qui sont malades, Seigneur, en esprit. Gen moun spirituellement nan yo malade. Gen moun spirituellement nan yo desséché. Gen moun Seigneur cœur brisé par vos paroles ou bagay ki te rive dans la vie yo. Gen moun ki découragé. Gen moun ki di yo pa kwè moun encore. Gen moun Seigneur Dieu ki sorti pour quitter l'évangile Seigneur Dieu. Mais nous mandons dans moment ça raffermi yo Seigneur Dieu. Ranime ta flamme en nous Seigneur Dieu tout-puissant. Seigneur Dieu que yo grandi à tous les niveaux, que nous grandi à tous les niveaux. Au nom de Jésus, kembe nous Seigneur Dieu. Dans moment ça Seigneur Dieu, nous mandons déraciner la peur. Gen moun ki gen la peur dans l'esprit, dans âme, dans corps yo, déraciner la peur, déraciner découragement, déraciner maladie, déraciner problème, déraciner Seigneur Dieu tout ça qui pas bon dans nous afin que Seigneur pour nous ca servir fidèlement. Oh Seigneur Dieu, bénis nous Seigneur Dieu, kembe nous dans présence. Bénis la sœur Marlène Seigneur Dieu. La sœur Joséphine, la sœur Kensia, la sœur Daken, la sœur Mito, le frère Ruben, le frère Nio, Seigneur Dieu. Seigneur, bénis la sœur Virgela, Seigneur, la sœur Marie, la sœur Daniela, la sœur Daniel, la sœur, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, l'éternel Dani Poula. Seigneur, bénis le pasteur Gadel Paul, pasteur Roman. Bénis chaque évangéliste, chaque monde qui travaille pour vous. Que l'unité rentre dans l'église, Seigneur Dieu. Que l'amour, Seigneur Dieu, manifeste dans l'église. Que youn remet l'autre, youn supporte l'autre, youn encourage l'autre. Et travail en fait, Seigneur Dieu, n'a travail pour un seul maître. Pas de division dans mitan nous, Seigneur. Que l'unité dans mitan nous, Seigneur Dieu. Bénis le pasteur Jédro, Seigneur Dieu. Bénis chaque monde, Seigneur Dieu, et cap suivre. Seigneur, kembe nous. Barrez-nous, cachez-nous, couvrez-nous, serrez-nous. Que semaine ça, Seigneur Dieu, son semaine qui bénit pour nous. Bonne nouvelle, la paix, la santé, la joie. Au nom de Jésus. Si quelqu'un quitte l'hôpital, c'est un météo dehors. Puis à la caillou, au nom de Jésus, ça va être un sujet de témoignage, au nom de Jésus, même qui sous cabane l'hôpital, que bon Dieu guérit ou, nous déclarer la guérison de Dieu sous la vie ou, au nom de Jésus, même qui était la caillou, qui était malade, nous déclarer la guérison de Dieu sous la vie ou, au nom de Jésus, nous déclarer la paix, nous déclarer la joie, nous déclarer la santé, nous déclarer la bénédiction, nous déclarer la force de Dieu. Rentrer sous même dans le moment ça, dans le nom puissant de Jésus, nous dit force contre force, la force de Dieu triomphe, et puissance contre puissance, la puissance de Dieu triomphe, hôtel contre hôtel, l'hôtel de Dieu triomphe, esprit contre esprit, esprit de Dieu triomphe, énergie contre énergie, énergie de Dieu triomphe, au nom de Jésus. Je vous donne la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point, dit Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen et amen. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Ça a été un plaisir d'être avec vous pour adorer le Seigneur ensemble. Et dans notre plateforme, l'adoration au pied du maître. Que Dieu vous bénisse abondamment. May the Lord bless you, keep you. In the name of Jesus, may the blood of Jesus cover you and protect you. In Jesus' name, que le sang de Jésus couvre et protège contre toute attaque, contre toute maladie. Au nom de Jésus, c'était la sœur Nounou, la sœur Antoinette,
la sœur Nicole, pasteur Roman Fleuville, et le frère Fritznel, la sœur Isabelle. Nous étions ensemble pour adorer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous comble de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes et sur la terre, au nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Que Dieu vous bénisse, pasteur Roman. Passez une agréable journée. On se retrouvera demain, si Dieu veut, pour l'émission des Détente matinale. Et dimanche, si Dieu veut, l'adoration au pied du maître. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Sœur Nicole, que Dieu te bénisse. Abondamment. Bye bye. Dieu vous bénisse également. Ok, bye bye, pasteur Roman. À la prochaine. Merci.